Bonne année 2013, hein. Sur la chaîne Oliver Flav, et là on est pour... un rétro-test de... Ticket Talk avec Oliver Plasma and the... Fireflav. Yeah. Et Fireflav version 2013, encore plus sexy. Un mec qui ressemble à Daniel Craig. C'est parti. Alors c'est un petit rétro-test qu'on vous fait sur Ticket Talk. Un jeu sur NES qui est sorti en quelle année, Oliver? Un jeu sur NES qui est sorti juste à la fin de... À la fin de vie de la NES, où ils ont sorti après la Super NES. Donc c'est, je pense, en 1992, un truc comme ça. Mais je suis pas sûr. Ça a l'air d'être assez fluide comme jeu, en tout cas. Voilà. Oh, un cactus. C'est souvent fluide quand il y a des graphismes pas révolutionnaires. Alors c'est un jeu de plateforme, ça on le voit bien. Mais pour une NES, graphiquement, on pourrait presque croire que c'est sur Super NES. Je suis mort? Bien sûr que oui. Oh, mais un petit ballon me ramène. Et je pense qu'on va faire aussi une deuxième vidéo, mais où je jouerai seul, et qu'on montrerait un speedrun sur ce jeu. Et ce jeu, c'est le premier jeu sur NES où on pouvait jouer simultanément ensemble, c'est-à-dire en même temps. En mode coop. Et ouais. C'est super. C'est déjà très, très impressionnant pour un jeu de NES, de pouvoir lire tout ça, de pouvoir faire jouer deux joueurs en même temps. C'est un espèce de Mario Bros à Ticket Tac, quoi. Voilà. C'est complètement copié sur Mario Bros. À part qu'on peut prendre des caisses et se protéger, on voit les petites... Moi, je vais lâcher une caisse, Oliver. Une blague que je ne retiens pas. Oh. Ah, aussi, on peut assommer nos amis. C'est très marrant. Ok. Ça. Oh, t'as vu comment je t'ai eu? Je suis un beau gosse, moi, quand je suis assommé. Je vais te mettre un pain dans la gueule. Sinon, faut pas trop monter très haut, sinon celui qui est juste en dessous risque de mourir. Ah oui, on a déjà vu ça tout à l'heure. Ne monte pas, Oliver. Ah, je suis mort. Non, pas encore. Alors, graphiquement, pour l'époque, Oliver, c'était pas mal. Oh, bref. Pour une NES, c'est incroyable. C'est... C'est comme Dragon Slayer, c'est très beau. Dragon Slayer, qui, je vous rappelle, est un jeu de merde. Mais qui a des beaux graphismes. Oui. Voilà, je me suis planté comme une bouse. Et on est au premier niveau en plus, vaut mieux se réveiller. Attends. Vaut mieux qu'on quitte parce que... Parce qu'il y a Fireflav qui voudrait peut-être bien jouer. Pas vrai, Fireflav? Yeah! On peut aussi balancer nos amis, c'est assez amusant. Balance-moi, Oliver. Mario Bros sur Wii a été un peu copié sur ce jeu-là. Car Mario Bros sur Wii, on peut jouer simultanément ensemble à 4. Et on peut balancer aussi Ce que j'aime bien dans ce jeu, Oliver, c'est qu'il n'y a que 2 touches. Donc, pour moi, c'est facile. Ah oui, parce que vous, Fireflav, vous n'êtes pas un grand gamer. Non, je ne suis pas un geek comme vous. Surtout que si vous jouez sur PC, vous êtes mal barré. Ah, il existe sur PC ce jeu-là? Non, mais je parle d'autres jeux de PC. Comme Far Cry. Ah c'est oui. Totalement différent. Moi j'arrive à te faire tourner Far Cry 3 sur mon PC, vous le savez, Oliver? Waouh! Moi j'arrive seulement à tourner Far Cry 2, mais en graphisme faible. Et ça regardez ce petit bug sympa. Un petit bug qu'on peut faire même sans avoir un émulateur. Oh! Merde. Je ne peux plus avancer. Tu es handicapé. Quelle réflexion très intéressante, Fireflav. Regardez, je saute. Oh merde, le chien. Saloperie. Bon, on dirait bien que Fireflav galère. Alors, vous l'avez bien compris, ce Ticket Tac sur NES est très copié sur Mario Bros. Sauf qu'il y a une nouveauté, c'est qu'on peut jouer ensemble et on peut se balancer des trucs. Eh oui, ça c'est super sympa. C'est assez intéressant de balancer des caisses. Pour les petits enfants qui disent mon copain, ma copine, je peux pas jouer avec, et bah c'est génial ce jeu. Vous pourrez jouer ensemble et vous balancer dans les airs. C'est vraiment mieux que jouer à la balançoire. Waouh! Enfin, vous m'avez compris. Et franchement, pour un jeu de NES, c'est vraiment impressionnant. Voilà tout. Et là, combien il y a de monde, Oliver? Il y a à peu près 7 mondes, je pense.
Ah oui. Il y a des niveaux, en fait, c'est pas trop des mondes, en fait, c'est des niveaux plutôt. C'est que des niveaux. Une durée de vie pas incroyable alors. Une durée de vie très faible. Eh oui. Mais bon, pour l'époque, on peut pardonner. Parce que à l'époque, les durées de vie, c'était entre 2h et 3h, hein. C'était pas exceptionnel. En même temps, c'était des cartouches où on pouvait pas enregistrer grand chose. Vous vous rendez compte que maintenant, on peut mettre des gigas sur un seul jeu. Eh oui. Qu'alors là, je pense que c'était que sur mégaoctets. Et encore, je pense. Quelque chose que je remarque, c'est que les mondes sont quand même assez diversifiés. On est qu'au premier niveau, Firefly. Ah oui, et je découvre déjà que les niveaux sont super diversifiés au niveau architectural. Et ça, c'est le premier boss? Oui, il est tout pourri. Waouh. Même pas touché une seule fois. Enfin, tout le monde peut faire ça en même temps. C'est très facile. Et il y avait aussi mon frère qui m'avait dit que là... Oui, voilà, il y a à chaque fois une one-up ici, dans le mode bonus. Enfin, presque à chaque fois. Voilà, on voit tous les mondes. Et voilà. On voit bien que c'est très copié sur Mario Bros. Et on peut voir que... Bon, je sais que c'est bizarre, mais c'est inversé les notes. Mais A, ça veut dire très facile. Et G, ça veut dire très difficile. Ok. Moi, je dirais plutôt le contraire, mais bon. G, c'est Gogol. G, c'est mode Gogol. Le mode Gogol, qui est le mode fait pour Firefly. Vous êtes en niveau 2, alors, là. Au deuxième niveau, et c'est... Et c'était B. Ma note était B. Chers téléspectateurs, est-ce qu'Oliver Plasmaire arrivera à finir le jeu pour vous? On va voir ça non, tout de suite. Non mais on va le finir dans le speedrun, mais pas là. Ah ok. Je suis complètement à côté de la plaque. Ça va être une vidéo pas très longue, celle-là. Si vous écoutez la musique, c'est très sympa. Les musiques sont assez diversifiées, mais... Par contre, je trouve qu'elles sont assez courtes. Au bout de 10 secondes, la musique est finie. Et elle repart en boucle. Donc c'est assez pourri quand même ça. Que dans Mario Bros 1, il y avait une musique. Bon, il y en avait très peu des musiques dans Mario Bros 1. Mais la seule musique, la toute première, et bah, elle durait très longtemps. Est-ce que je peux dire un truc à nos téléspectateurs, Oliver? Oui. Ne fumez pas, ne buvez pas et ne baisez pas. Ça sera mieux pour vous. Ok. Comme ça, vous serez en bonne santé et mangez des patates et des tomates. Enfin, voilà, c'était pour alerter les jeunes. Vous voyez, là, on est au monde 2 et c'est et là, pas du tout la même chose que le monde 1. Eh oui, on est dans une cuisine. Eh oui. Vous voyez tous les petits détails, tous les petits carreaux, c'est vraiment magnifique. Je mettrai ce jeu dans le top 10 des graphismes de la NES. C'est vraiment très impressionnant. Pour moi, c'est l'un des plus beaux jeux de la NES. Il y avait aussi Dragon Slayer avec, qui fait partie du lot. Tu es en triple, là. Et oui. C'est le boss, ça? Le petit boss. Il ressemble à une fusée de merde. À une fusée un peu pourrie. Un fusée de jouet. Voilà. Oliver, j'ai un truc à vous dire. Est-ce que les boss sont diversifiés? Bah, il y en a pas mal, oui. Mais il y en a pas un seul qui se ressemble. C'est assez bien. Enfin, c'est... Si, ils se ressemblent tous pour la même façon, faut toujours les tuer comme ça. Avec un ballon rouge. Mais sinon, ils ont... Ils se ressemblent pas du tout graphiquement. Heureusement. Car il y a quelques jeux où on voit des boss qui sont totalement pareils que le deuxième. Et voilà, Oliver a atteint le niveau 3, et c'est sur ce niveau 3 qu'on va se quitter, n'est-ce pas, Oliver? On est à combien de minutes? Ah, j'en sais rien. En autant de minutes que je mets de minutes à chier. Ok. Alors... on va donner les notes. On va donner la note de ce magnifique jeu. Graphiquement, Oliver. Graphiquement, c'est à 18 sur 20. C'est très beau. Eh oui. Pour un jeu de NES. Et gameplay. Le gameplay, je trouve que c'est très fluide, il saute en même temps qu'on appuie sur le bouton. Donc c'est 20 sur 20, le gameplay. Mmh. Et avec 3 boutons, on peut quand même bien s'amuser. Oliver, on allait oublier la bande-son. La bande-son est assez moyenne par contre. C'est un peu répétitif quand même. Ouais, c'est toujours la même chose à peu près, ça part toujours en boucle. Je ne pense pas qu'on pourra parler de scénario dans ce jeu, mais on va pouvoir parler de la durée de vie, qui est nettement moins spectaculaire.
Mais il faut aussi parler de la bande son qui est égale, on va dire, à 14 sur 20. Ok. C'est pas mal. Et sinon, pour la durée de vie, je mettrai un 12 sur 20. Yeah, c'est pas mal. Ce jeu est assez court, mais quand on voit tous les détails qui sont apportés à chaque niveau, je veux dire, on voit pas vraiment le temps passer dans ce tic-tac. Et on voit bien qu'ils se sont, ils en ont bien bavé, ceux qui ont fait le jeu, pour faire les graphismes. Il aurait fallu un bavoir même. Alors, une note générale, Oliver, de... Note générale de 17 sur 20. 17 sur 20, One Up Pop Now! Vous avez bien entendu, ce tic-tac vaut un 17 sur 20, un des meilleurs jeux qui soit sorti sur la NES. Et vous pouvez voir que c'est pas moi qui joue, c'est Oliver Plasma. Oui. Et il joue vraiment très très bien. Et moi, Firefly, je vous dis salut, à la prochaine. C'était la première vidéo 2013, c'était un rétro-test de tic-tac. Et Oliver Plasma, vous me dire le mot de la fin. Alors, voyure, pour de nouvelles aventures! Yeah, Fire Flav!